Bye. La Grèce va pouvoir bénéficier d'un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros, sans précédent par son ampleur, en contrepartie d'une cure d'austérité impliquant de douloureux sacrifices pour la population. Un accord sur le versement de cette enveloppe a été conclu dimanche à Bruxelles pendant une réunion des ministres des Finances de la zone euro. Nous avons décidé aujourd'hui d'activer le plan de soutien en faveur de la Grèce, a déclaré leur chef de file Jean-Claude Juncker. Après avoir traîné des pieds, l'Europe n'avait plus le choix pour éviter la faillite à la Grèce. Il s'agit aussi pour elle d'empêcher une contagion de la crise au Portugal ou à l'Espagne notamment, qui ferait vaciller toute la zone euro. Des économies de 30 milliards d'euros doivent permettre de ramener le déficit public abyssal de la Grèce sous les 3% du produit intérieur brut, la limite européenne, d'ici à la fin 2014. Ce samedi, 1er mai, la fête du travail était dans tous les esprits. Même si la tripartite et les négociations autour de l'indexation ont rendu l'atmosphère plutôt tendue au Luxembourg, syndicats et visiteurs étaient bien présents. L'OGBL a attiré beaucoup de monde à l'abbaye de Neumünster avec son programme de conférences, spectacles, ateliers et musique. La LCGB a pour sa part défilé à Dunelange dans une ambiance festive autour de croissants, musique et discours. Un peu, beaucoup, passionnément, la foire, j'aime les surprises. C'est avec ce nouveau slogan plein de promesses que la foire nous invite à découvrir les nouveautés du printemps, du 1er au 9 mai 2010, chez LuxExpo sur le plateau de Kirchberg. Plus de 70 secteurs d'activité et 400 exposants en provenance d'une dizaine de pays se réunissent sur 33 000 m² pour présenter toutes les nouveautés du printemps et préparer l'été. 9 jours pour découvrir l'exposition « La recherche mon avenir » dédiée à la présentation de projets concrets et innovants contribuant à améliorer la vie de tous les jours. Mais aussi pour rencontrer directement la centaine de producteurs, de vignerons, de négociants qui profiteront de la foire pour lever le voile sur les nouvelles saveurs 2010 et les tendances de l'année.